Sécurité et affaires coutumières. Excellence, la troupe est rangée pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de formation de la première promotion des commissaires à l'Académie de police. Je vous invite à passer la troupe en revue. Le commandant troupe, le commissaire supérieur principal Pierre Eboléa Mayenge. À vos ordres. Et prendre la parole pour vous exprimer ma reconnaissance et vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie. Avant toute chose, il me soit permis de rendre des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour la réforme de notre corps de métier en vue de doter notre pays d'une police républicaine, professionnelle et moderne. Mes remerciements s'adressent également
à son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, non seulement pour son soutien indispensable sur le plan matériel, moral et financier, mais aussi pour l'appui au bon fonctionnement de l'Académie de police. Je tiens également à remercier M. le commissaire général de la police nationale congolaise qui n'a ménagé aucun effort pour le bon fonctionnement de cette session pilote de formation par le truchement de la direction générale des écoles de formation DGF en Sud-Est. Point n'est besoin de rappeler une fois de plus que la formation demeure le volet fondamental et l'un des axes principaux, je dirais même prioritaire, de la réforme, gage de performance et de professionnalisation de nos unités. C'est elle qui permet l'acquisition du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. À vous tous, heureux récipiendaires, je vous exhorte à la mise en pratique sur le terrain des matières apprises d'une manière professionnelle, afin que la population puisse compter sur la police pour sa protection. Je suis rassuré que, grâce à la formation reçue, vous ferez davantage preuve du respect des lois, des règlements et des droits de l'homme qui devront désormais constituer le socle de toute votre intervention. Je ne saurais terminer mon propos sans m'adresser aux formateurs qui se sont dépensés corps et âme pour transmettre les connaissances nécessaires aux apprenants, aujourd'hui récipiendaires. C'est ici l'occasion pour moi de dire merci à toute l'équipe qui a assuré la formation jusqu'à son terme. Enfin, à toutes et à tous ici présents, permettez-moi de vous remercier une fois de plus pour votre remarquable présence à cette cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive l'Académie de police. Je vous remercie. Honorables députés et sénateurs, messieurs les vice-ministres de l'Intérieur, messieurs les ministres près et gouverneurs de la ville province de Kinshasa, messieurs les chefs états-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représentés, messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise, mon général, messieurs l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté. Messieurs les commissaires généraux adjoints du chef de l'État. Mesdames et messieurs les partenaires de la réforme de la police nationale congolaise. Messieurs les commissaires provinciaux de la ville-province de Kinshasa. Messieurs les officiers généraux supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, sans oublier également la MONUSCO. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Ce vendredi 2 octobre 2020 marque un tournant décisif dans le processus de la réforme de la police nationale congolaise. En ce jour, la police nationale congolaise dote
notre pays de la première promotion des commissaires de police formés à l'Académie de police. Cette promotion a été baptisée Promotion Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en guise de reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour l'attention particulière qu'il accorde à la formation des cadres et agents de la police nationale congolaise en vue de la professionnalisation de notre corps de métier, pour remplir ses missions dans le respect des droits de l'homme. C'est donc un motif de joie et de fierté, car dans la perspective de la réforme, l'homme est au centre de tout. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais commandants ou mauvais chefs. Et donc, avec les bons commissaires de police, il y aura de bons policiers. Les erreurs expirandaires que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui ont passé 2 ans de formation à apprendre, à maîtriser, à pratiquer à travers des stages professionnels et différents commissariats urbains de la ville-province de Kinshasa. Ils ont intériorisé les principales articulations du métier des policiers dans les exigences du niveau d'exécution et de collaboration. Tout au long de ces années, la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise a régulièrement validé les différents outils pédagogiques préparés par les techniciens de l'Académie. Les plannings détaillés de formation, les horaires, les listes de formateurs retenus étaient réalisés en tenant compte des conditions et critères de la cellule d'appropriation et de mise en œuvre de la réforme dans son volet formation. La première année, 44 modules ont été enseignés, répartis sur les 3 chaires, à savoir la formation générale, la formation technico-professionnelle et la formation juridique. La formation générale s'est articulée notamment sur les matières telles que l'expression orale et écrite, l'anglais, la statistique, l'informatique, la psychologie générale et la sociologie. La formation technico-professionnelle a développé principalement les matières telles que séjour en brousse pour apprendre la tactique individuelle et l'esprit d'équipe, sécurisme, premier soin, les services intérieurs et règlement des disciplines, l'ordre serré, les renseignements généraux, la police de proximité, la sécurité publique, le maintien et l'établissement de l'ordre public et GTP, gestes et techniques professionnelles d'intervention, les rapports de police et la rédaction des procès-verbaux, l'armement éthique, l'organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, éthique et déontologie des policiers. Les statuts du personnel de carrière de la police nationale congolaise, la lecture des cartes, l'éducation physique et sport en cycle EPES et la formation juridique s'est appesantie sur le module ci-après. Droit pénal général, liberté publique, droit constitutionnel, procédure pénale ordinaire, droit civil, droit de l'homme, droit international humanitaire, droit et protection de l'enfant, la législation douanière. En deuxième année, conflit, la méthode de recherche scientifique et mémoire, la sociologie de sécurité, la psychologie de commandement, la coopération policière internationale, la conduite auto et l'anglais. La formation technico-professionnelle a ajouté les cours suivants: la police de proximité, la sécurité publique, le maintien et établissement de l'ordre public, la migration,
la police technique scientifique, la médecine légale, la criminologie générale, la correspondance policière, les gestes et techniques professionnelles d'intervention GTPI en cible. Hors de ces, l'armement éthique, la technique d'enquête criminelle, les renseignements généraux, la communication opérationnelle. La formation juridique, quant à elle, a compté les disciplines dont l'organisation compétente judiciaire, les droits du travail, les droits fiscaux, les droits administratifs, les droits constitutionnels, les droits, la finance, les finances publiques et les droits commerciaux au WADA. Les droits pénals spéciaux, la procédure pénale ordinaire et militaire, les violences basées sur les charges. Toutes ces matières ont été enseignées par des personnes qualifiées, professeurs d'université, chefs de travaux et autres personnalités scientifiques de la place. Les modules technico-professionnels ont été enseignés par les spécialistes de la police nationale congolaise et de l'armée. Au total, le volume horaire alloué à cette formation a été de 2400 heures, soit 1300 heures d'enseignement théorique et pratique en première année et 1100 heures en deuxième année. Cette formation pilote est constituée de 97 finalistes, dont 83 hommes et 14 femmes, tous aptes à remplir avec satisfaction toutes les missions de police. Telle est la fiche technique de la session dont les récipiendaires vous sont présentés. Excellences, Monsieur le Premier, Excellences, Monsieur le Vice-ministre de l'Intérieur, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté, mon général. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général. Monsieur le chef de la maison militaire du chef de l'État, mon général. Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté. Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise. Messieurs les chefs de la composante police MONUSCO, messieurs les partenaires techniques et financiers de la réforme de la police nationale congolaise, messieurs les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, messieurs les officiers généraux supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, à vos titres, ces qualités respectives, tout protocole observé. L'avenir de la police nationale congolaise se conjugue ces jours avec les officiers sortis de l'Académie de police. C'est pourquoi, vu les besoins de la police en officiers informés, nous souhaiterions que les installations de l'Académie de police actuellement en chantier au village Kimpoko qui ont une capacité d'accueil d'une centaine d'élèves professeurs puissent passer rapidement de 130 à 400. Je saisis cette occasion pour solliciter de votre autorité qu'une attention particulière soit accordée à l'achèvement des travaux en cours et à l'équipement nécessaire pour que ces sites, fruits du partenariat de notre pays avec l'Union européenne, puissent devenir fonctionnels. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un hommage appuyé à tous les cadres et formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour garantir une organisation appréciable de la session pilote que nous clôturons officiellement ces jours. Qu'ils trouvent ici notre profonde gratitude pour leur sens de patriotisme et d'application. Il en est de même pour toutes les personnes qui ont cérémonie de clôture de formation est toujours un temps fort dans la vie d'une école.
elle signe pour nous la fin d'un dispositif de formation et départ d'un public. Mais elle annonce pour chacun de vous le début d'une aventure professionnelle et personnelle, afin de mériter la confiance de la population et de la hiérarchie. Je reste persuadé que vous saurez être disposé pour exploiter et installer des méthodes de travail nouvelles et celles qui redynamisent profondément l'action des services de police. Je vous adresse mes vives félicitations pour le courage, la sérénité et la discipline dont vous avez fait montre tout au long de votre formation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive la direction générale des écoles de formation, que vive l'Académie de police. Je vous remercie. Sécurité à faire continuer. Sans venir répondre, faites appel. Allez, vous autres. Le protocole invite Papol. Le protocole invite son Excellence, Monsieur le Vice-ministre de l'Intérieur, à procéder à la remise des diplômes et des prix au deuxième de la promotion. Excellence. Nous prions son Excellence à le prendre place à la tribune. Le protocole invite le représentant du chef d'état-major général des états blessés à bien vouloir procéder à la remise des diplômes et des prix au troisième de la promotion. Bonjour. Le protocole pris, le représentant du FMG a bien vouloir le prendre place à la tribune. Le protocole invite M. le conseil général de la France congolaise à bien vouloir procéder à la remise des diplômes et des prix de la discipline 4e lauréat. Bonjour.
Monsieur le Conseil général est prêt de reprendre place à la tribune. Bonsoir. Les protocoles. Monsieur l'inspecteur général est prié de reprendre place à la tribune. Bonsoir. Les protocoles indiquent. Monsieur le DG a bien vouloir procéder à la remise des diplômes et des prix d'assiduité au 6e lauréat. Bonjour. Numéro 25. VPM Minister 7. Bar. 009. Bar. 2020. Du 24 juillet 2020. Portant commissionnement en grade des élèves commissaires finalistes de la première promotion de l'Académie de police de la police nationale congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11/00 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93, 182 et 184, vu la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011. Portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. C'est bon, c'est bon. Des affaires sociales, service de santé, repos, protection et lutte contre la criminalité, lutte contre la criminalité financière. Et monsieur le commandant de l'Académie de police. Les autorités citées ci-dessus sont priées de bien vouloir s'approcher des récipiendaires pour les ports des grâces. Bonjour.
Ce coup, promotion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, votre serment. Yeah.
FGC et de la police nationale congolaise, je prends acte de votre prestation de serment en qualité de commissaire de la police nationale congolaise. Mes sincères félicitations et je vous remercie. C'est toi qui se cache ici, Lombo. Discipline, Chini. Discipline, la Mamanda. Kutumina, la Mukasa. Wanda Munido. Mukarika, Lumu. Promotion Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Discipline Nikele Inki. Discipline à Bangka Mlamatari. Kele Kuzisisa Marumanu. Kukutula Ndinga Fe. Kukutisa Mavanga. Kele Kuzisisa Mafumu. Promotion Félix Antoine Félix Tshisekedi de Chilombo. Discipline Yangonde. Discipline à Bangka Mlamatari. Kele Kuzisisa Marumanu. Kele Kuzisisa Sikawa. Kuzisisa Monokote. Promotion Rebo. Après l'exécution de l'hymne national, de l'hymne de l'Académie et la récitation de la discipline en quatre langues nationales, le protocole invite à présent le chef promo à bien vouloir.